Bonjour, bonjour. Nous sommes pour moi jeudi matin. Ça veut dire que je tourne la vidéo que vous allez regarder vendredi. Voilà, c'est ça. Je suis bien. Ça y est, là, ça commence à rentrer. Mi-avril, serait temps. J'ai pris les petites notes sur ce que je voulais vous dire. Alors, je précise quand même qu'il est 7h du matin. Je suis réveillée depuis à peu près 3/4 d'heure. J'ai commencé ma journée avec mon petit café. Je vous montre la tasse du jour. La tasse des copines d'amour, des amis d'amour. Voilà, ce sont des amis. On a souvent tendance un peu à exagérer le mot ami ou à utiliser de façon inappropriée le mot copine. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi. Mais je suis très attachée à ça en fait. Les gens ont une place particulière dans ma vie. C'est soit vous êtes une amie, soit vous êtes une copine. C'est normal, tout le monde ne peut pas être ami. Et tout le monde ne peut pas être copine. Enfin, si, on peut avoir beaucoup plus... Enfin, oui, j'ai beaucoup plus de copines que d'amis. Vous voyez, c'est normal. Les amis, elles commencent vraiment à rentrer dans votre cercle privé. Elles savent beaucoup de choses de votre vie. C'est normal, c'est ça, les amis. Mais c'est cool aussi d'avoir des copines parce qu'on n'est pas, on n'a pas toujours envie de partager des trucs intimes, loin de là. Donc, il faut les deux, moi je dis. Donc, j'ai commencé ma journée avec la vidéo de Didier et Vincent au fil de russe, comme tous les jeudis matins. C'est vrai que c'est agréable quand vous vous levez, que vous savez que vous avez un petit truc à regarder, quand vous êtes accro au podcast, comme moi. Ben, c'est très sympa. Et là, ils ont fait un truc, je trouve ça chouette, parce que moi, j'avais cette idée pour le site, je vous l'avais dit. Ils ont présenté en photo les réalisations que les clientes leur ont envoyées en images, réalisations dans leur laine. Donc je trouve ça très très chouette, franchement c'est top. J'espère pouvoir en faire autant un jour avec autant de choses à vous montrer et des laines qui viendraient de la boutique du Petit Labo. Donc ça, ce serait vraiment chouette. Moi, c'est une page qui existe, je crois que je vous l'ai dit, c'est une page qui existe sur le site que j'ai créé qui s'appelle « Vos réalisations ». Dès que vous aurez tricoté un truc terminé, vous m'envoyez la photo et hop, avec votre accord bien entendu, on mettra ça en image sur le site pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'il est possible de faire avec telle ou telle laine, même si pour moi c'est beaucoup de couleurs, de coloris non reproductibles, mais ça n'empêche pas quand même de pouvoir voir un travail de teinture. Je ne sais pas si je suis très très bien positionnée là. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. C'est la tête du matin, hein. Je me suis même pas regardée. Bon, ça va, ça va. Je vous ai pas fait hier mon petit retour sur la poste. C'est une grosse blague. Hein. On m'avait dit à l'accueil, oui, oui, ils peuvent venir relever vos colis, vous allez voir, c'est super, c'est gratuit. Ah oui, puis il faut prendre des tarifs professionnels, parce que là, vous allez payer beaucoup moins cher. Donc moi, je me réjouissais de pouvoir faire baisser le tarif des frais de port de la poste. Donc dans ce rendez-vous qui a duré à peu près une heure avec une personne très sympathique à qui j'ai pu poser plein de questions, tout ça, c'était vraiment très sympa. À la suite de ce rendez-vous, tu viens, Luffy? Tu viens, mon bébé? Bon, oui. Tu veux venir? Donc, à la suite de ce rendez-vous, en fait, j'ai appris que je pouvais avoir 1 centime moins cher. Youhou! Donc, les colis que moi j'envoie, ils sont la plupart du temps assez légers. Ça va être à peu près 250 grammes le maximum. Et ils me proposent une réduction de 1 centime. Tenez-vous bien, c'est 1 centime. Donc, j'ai dit, mais c'est une plaisanterie. Bon. Admettons, je m'en fous, hein. le 1 centime, franchement, je trouve que c'est comme si on me disait rien, hein, on me proposait zéro, quoi. Ensuite, pour ce qui est de l'enlèvement, donc moi, ça m'arrangeait, notamment quand c'est des box, parce que c'est assez volumineux, c'est pas lourd, mais c'est volumineux, donc à transporter, quand vous en avez 10, 15, 20, ça devient quand même compliqué, il faut deux bras, non, il en faut 4, il faut 2 personnes, quoi. À moins de faire de trajets, ce qui reste en soi tout à fait possible, parce que c'est quand même pas très loin de chez moi. À pied, c'est vraiment à 5 minutes. Et alors, l'enlèvement,
Et bien l'enlèvement, il est payant. Vous payez tant par colis. Je sais plus combien c'est, mais en gros, c'est genre 18 euros pour 15 colis. Et moi, en plus, 15, ça suffisait pas, mais c'est quand même le maximum qu'ils viennent relever. Et il faudrait que je paye 18 euros en plus. Donc je crois que la Poste a quand même un petit souci à se mettre en... à s'aligner en fait avec la concurrence. Et c'est aussi pour ça qu'ils souffrent d'une perte de clientèle, à mon avis, assez importante au profit de certains relais comme Mondial Relais ou Relais Colis qui proposent des tarifs quand même plus avantageux. Le seul truc positif qui est ressorti de ce rendez-vous, c'est au niveau des tarifs Chronopost, que je pense inclure parce qu'effectivement, avec un compte professionnel, alors le compte professionnel n'est pas encore créé, la dame que j'ai vue hier devait s'en occuper, mais apparemment il y avait un souci pour rentrer je sais pas quel numéro. Donc bah, pour l'instant c'est pas fait. Donc je vais pas encore pouvoir vous proposer le Chronopost là. Mais je trouvais que c'était sympa, notamment pour l'international, ça peut faire des prix intéressants. Et puis pour celles qui veulent être livrées rapidement aussi, je crois qu'on arrive à 9 euros, ce qui est cher, mais c'est le tarif, hein, Chronopost, de toute façon, qu'on trouve à peu près partout. Mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de pouvoir permettre cette option à quelqu'un qui est pressé de pouvoir aller à ce point-là. Bah, de pouvoir payer 9 euros si elle avait envie de payer 9 euros pour avoir son colis au plus vite. Donc cette option je l'intégrerai alors sans doute pas à la prochaine aux prochaines ventes parce que je pense que le compte sera pas créé. On est jeudi au moment où je tourne. Elle va travailler aujourd'hui et demain la dame et puis il va rien se passer je pense hein. Donc pour lundi enfin pour dimanche je pense que ce sera compromis. Donc très intéressant parce que bah, c'est toujours sympa d'échanger avec des gens et de pouvoir parler de son activité, d'avoir elle des retours parce qu'elle voit beaucoup de gens aussi de par son poste. Mais ça m'a vraiment déçue quant aux propositions de tarifs qui ont été faites. En fait, c'est juste intéressant pour les gens qui envoient des colis lourds ou plus lourds que les miens. Mais moi, envoyer de la laine, clairement, c'est pas du tout intéressant d'avoir un compte pro à la poste. Alors heureusement, la création du compte pro en lui-même, elle est gratuite. Hein, je ne vais pas payer pour ça. Elle m'a proposé autre chose aussi qui pourrait vraiment faire réduire les frais de port, mais qui comporte un petit risque. Je vais vous l'expliquer. C'est qu'en fait, si vous commandez un écheveau, je pourrais le mettre dans une enveloppe, enfin une enveloppe, les sachets comme j'en vois là, c'est des sacs de transport comme je vous en vois maintenant, j'en ai de plusieurs formats. Donc il faudrait que le colis fasse 3 cm maximum d'épaisseur. Il faut que je mesure ce que fait un écheveau dans une enveloppe comme ça. Et on pourrait peut-être prendre le risque, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un risque, de vous l'envoyer finalement au tarif lettre. Donc ça coûterait, je pense que ça coûte... Je vais pas dire 3 fois, mais peut-être bien 2 fois moins cher que le Colissimo. Et on peut même ajouter un numéro de suivi. Donc ce qui est quand même sympa, ça arrive dans votre boîte aux lettres, mais c'est un format lettre. Là où il y a un risque, c'est que si ça fait plus de 3 cm, c'est-à-dire que la laine, on sait, enfin, la laine, moi, en faisant des échevaux bien serrés, et je reviens sur ça juste après, je pense qu'on peut arriver à quelque chose qui est réduit au niveau de l'épaisseur. Mais si ça fait plus de 3 cm, il n'est pas impossible que, arrivé chez vous, on vous demande finalement de payer une compensation parce que ben finalement ça rentrait pas dans cette catégorie. Donc si je dois faire ce test, je le ferai qu'avec des gens volontaires. Donc je pense que je ferai déjà ça avec des personnes que je connais, voilà, que je connais dans la vraie vie, qui vont pas me causer de problèmes si elles se retrouvent avec un truc en plus à payer, avec qui je pourrais discuter, etc. Je voudrais quand même vérifier que ça fonctionne et si ça fonctionne, ben, ça vous permet de réduire les frais de port. Carrément, en tout cas si vous achetez un écheveau ou un kit chaussettes. Voilà, juste un écheveau ou juste un kit chaussettes. Peut-être même 2 écheveaux parce qu'on est à 200 grammes avec 2 écheveaux. Donc ça peut marcher. Il faut que je voie ça. Et je me dis ça peut marcher parce que là, en ce moment, j'ai la chance d'avoir un papa très bricoleur. Alors c'est un peu plus que du bricolage, là, c'est vraiment de la fabrication. Il est en train de me fabriquer un appareil qui va me permettre de faire mes écheveaux plus serrés, plus propres, plus beaux, plus pros. C'est un crochet, enfin, c'est une forme de crochet en fait, hein, qui se vend. J'ai vu que ça se vendait au Canada, ça se vend genre 500 $. Hein. Bon, évidemment, je ne vais pas acheter ça. Donc je me dis, donc il est en train de fabriquer ça, et j'ai vu les premiers essais hier, il lui manque juste un truc, c'est de pouvoir de m'ajouter un accessoire qui va me permettre moi de le faire au pied. Donc il manque plus que ça, et puis il va me l'envoyer. Donc je suis très très contente de ça.
J'ai vraiment hâte de le tester et de voir le résultat sur les échevaux. Et je me dis que ça peut me permettre de faire des échevaux peut-être plus longs, voyez, et plus plats. Et peut-être que ça peut justement jouer en faveur de l'envoi au format lettres. Bon, bah, ce sera à tester. En tout cas, je suis très impatiente d'avoir ça. Je ne sais pas si ça va me faire gagner du temps cet appareil parce que je vais quand même assez vite à faire un écheveau à la main. Mais en revanche, ça va faire gagner en termes de qualité de présentation. Je pense que quand ça arrivera chez vous, j'espère, quand ça arrivera chez vous, vous devriez vous dire, ouais, ok, c'est mieux ou c'est bien. Voilà, c'est tout ce que je veux. Hein. Voilà, c'est le principe. Voyez, tout le monde œuvre dans la famille à travailler pour que vous ayez encore de meilleures choses qui vous arrivent. Petit point rapide sur le cale qui va venir pour le prochain châle. Alors, à l'unanimité, hein, clairement, le Majestic Shawl vous a plu aussi. Alors, il y a eu des voix pour tout, mais le Majestic qui s'en sort haut la main en tête de classement, et ça tombe très bien parce que c'est vraiment celui que j'ai envie de tricoter. Alors, je n'ai pas encore les fils. Certaines me disent, oh là là, mais ça commence quand j'ai pas les fils. Alors, déjà, vous enlevez tout ce stress-là. Moi, je veux pas de stress autour d'un cal, pas du tout. Un cal, c'est un moment qu'on va partager, on va avancer ensemble sur le même tricot et on va se donner des conseils. Si vous arrivez après le début du cal, c'est pas grave. Si vous arrivez en même temps que tout le monde, c'est très bien. Mais il n'y a pas de bien ou de pas bien en fait. Donc vous n'avez pas vos laines, ben vous allez prendre le temps de réfléchir à quelle laine il vous faut. Déjà, il vous faut acheter le patron parce que c'est un patron qui est payant. Je ne sais plus son prix, je crois que c'était le plus cher hein, de tous les patrons que j'ai choisi. Je l'ai acheté hier. Il tient sur 3 pages, sachant qu'il y a une page avec le diagramme qui, moi, ne m'intéresse pas parce que je ne vais pas le lire, mais je vais lire les instructions qui sont expliquées. Et il y a une page pour typiquement le patron écrit. Donc, effectivement, ça ne m'a pas l'air très compliqué. Ce qui peut être, je pense, le plus compliqué, c'est le démarrage parce que je crois qu'il y a un relevé de maille qui se fait sur les côtés et tout ça. C'est pas forcément quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais on va essayer de trouver des tutos pour vous aider à tout ça. Donc, comment ça se passe? Si vous souhaitez rejoindre ce cal, vous m'écrivez sur Instagram. C'est Instagram uniquement. Celles qui n'ont pas Instagram et qui veulent faire le cal, ben, c'est pas possible. C'est vraiment pour moi le moyen le plus pratique. Quand je vous disais Instagram me sert de messagerie, et ben c'est ça en fait. Les cales, pour moi, c'est parfait sur Instagram parce qu'on peut faire un groupe et on peut s'envoyer des messages. Donc vous m'écrivez sur Insta, je vais créer le cal Majestic Shawl et on va le faire courir. On va le faire courir sur là à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui soit en train de le tricoter. Voilà, pour moi, c'est ça va être ça le principe. Moi, je suis encore dans le cal du châle saison, alors que j'ai terminé mon châle saison. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un focus sur le châle saison. Audrey, quand même, c'est long cette histoire. Alors, vous avez une petite visite de bébé Luffy. Est-ce que tu veux bien parler aux gens, bébé Luffy? Oui? Tu veux parler aux gens? Tu veux raconter? Bon, il raconte rien. Du coup, je vais me baisser un peu. Donc, le cal, bah, vous m'écrivez sur Insta, tout simplement. Et puis on fera un. Alors j'espère qu'on sera. Alors je pense qu'on sera pas très nombreuses parce que déjà c'est un patron payant, c'est un patron qui fait de la mosaïque, ça plaît pas à tout le monde. C'est un patron à 2 échevaux, ça plaît pas à tout le monde. Donc écoutez, on sera le nombre qu'on sera, mais je pense que ce sera parfait. Voilà, ce sera parfait pour moi. J'ai vraiment hâte de le démarrer. Je vous présenterai les laines avec lesquelles je démarre quand je les aurai sélectionnées. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Il est recommandé de la laine fingering, d'épaisseur fingering. Il est recommandé 2 échevaux. Et je ne sais plus en combien il se tricote, mais bon, je crois qu'il y a un échantillon qui est donné, je ne sais plus combien. Et selon l'échantillon que vous obtiendrez, on vous recommande de faire plutôt la taille 1 ou la taille 2 parce que c'est un châle qui comporte 2 tailles. Voilà. Donc si vous achetez le patron, bah, vous aurez évidemment toutes ces informations. Je ne partagerai d'infos sur le patron que dans le cadre du cal avec toutes les personnes qui auront acheté le patron. Voilà, ça me paraît logique de ne pas en dire plus ici en vidéo puisque bah, contrairement au châle saison, c'est vraiment un patron payant. Je tenais à dire aussi que cet hiver, je pense que je lancerai un cal sur un des patrons de Laura, Laine Poudrée, pour en partie la remercier pour la proposition du châle saison qui est un patron gratuit. Il perd ses poils ce chat. Et en fait, oui, j'ai pas de patron qui m'inspirait le printemps là chez Laura, mais en revanche plusieurs qui m'inspirent l'hiver.
comme le monarque, comme le brume. Voilà, c'est des patrons qui me font vraiment très très envie. Je crois que le brume, je sais plus lequel est à un écheveau, ou même les deux peut-être. Enfin, c'est chouette, il y a vraiment des trucs à faire chez Laura. Et ce serait une façon de la remercier aussi d'aller acheter un de ses patrons. Alors moi, je l'ai déjà acheté, je les ai déjà. Et puis, y compris ses chaussettes. Il y a des chaussettes qui m'intéressent aussi chez elle. Est-ce que j'avais des trucs à vous dire? Bah oui, je vais vous montrer mes chaussettes. Bah oui, je suis quand même pas venue les mains vides, si je puis dire. Bon, alors, les chaussettes sont terminées. Voilà, j'ai pris un bloqueur aujourd'hui. Bon, alors, moi, mes chaussettes, elles ont toujours ce petit défaut-là. Bon, je m'en accommode. Il y a toujours ce petit trou-là. Enfin, pas toujours, mais très souvent. Et ça ne me dérange pas. Alors là, ça prend pas bien l'arrondi du talon. C'est dommage, mais ils sont arrondis. Hein. Je les ai essayés et franchement, c'est très bien. Donc ça donne ça. Mes petites côtes, elles sont roses. Ma pointe, elle est bleue. Le talon, finalement, je l'ai fait dans l'auto-rayant. Et bah, moi, en fait, ça me plaît. Ouais, franchement, ça marche bien. Ça me plaît bien. La deuxième chaussette, eh ben, c'est l'inverse. La pointe est rose et les côtes sont bleues. Trop bien. Donc ça, c'est des laines que j'ai teintes aussi, ces deux-là. Évidemment, ça, c'est pas moi. Et non. Donc toujours ce petit défaut-là. Ça, c'est parce que je vais relever une maille supplémentaire pour éviter le trou. Et en fait, bah, comme on est dans l'auto-rayant, bah, ça se voit. Et puis, il y a quand même toujours un petit trou. Mais ça va. J'ai vu hier Oui, c'est hier soir. Il y a Monsieur Knitting, c'est Clément, qui a sorti un petit tuto. Il s'est lancé dans les tutos. C'est le deuxième, je crois, qui sort. Il a lancé un tuto pour faire le talon boomerang. C'est vrai que moi, je m'étais jamais penchée sur le talon boomerang. Donc, il vous montre ça dans une méthode de tricot à l'anglaise. Donc, bah, faut décrypter un peu le geste parce que c'est quand même assez rapide par rapport au tricot à la continentale. Mais ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si je ne ferai pas ça pour le prochain ou en tout cas, je vais essayer de travailler dessus. Parce que ça demande quand même plus de manipulation que les simples rangs raccourcis. Oui, parce que moi, je fais simplement les rangs raccourcis à l'allemande. Alors là, avec ce genre de chaussettes, je trouve qu'ils ne se voient quasiment pas. Regardez, on voit quasiment pas le truc. Donc là, il y a des rangs raccourcis ici tout le long. Et tout le long, là, comme ça. Voilà. On les voit pas. C'est bien foutu avec les auto-rayantes, je trouve. Donc, moi, ce talon, il me convient. Hein. Il me convient. J'ai pris... je vais pas dire j'ai pris partie de, j'ai comment on dit, je déculpabilise, ce n'est plus grave qu'il y ait un trou sur mes chaussettes. Finalement, on dramatisait un petit peu chaque fois qu'il y avait un trou. Et Cathy, elle m'avait dit, écoute, il faut accepter qu'il y ait des trous à cet endroit-là sur nos chaussettes. Et je pense qu'elle a tout à fait raison. Et c'est pas un drame. Alors, tout le monde ne fait pas de trous dans ses chaussettes. Il y en a qui ont des chaussettes qui sont hyper belles. Il y a zéro défaut. Et notamment avec le talon boomerang ou le wrap, je ne sais plus quoi, là, que montrait Clément. Il n'a pas de trous du tout. Elles sont nickel. C'est joli. Ça fait un petit... Ça fait un petit dessin ici, là, qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Et ce qui est bien avec ce talon qu'il montre, et comme avec celui-ci, c'est qu'en fait, c'est une forme de talon tout à fait normale. Voilà, il n'y a pas de fantaisie sur le talon, ça épouse bien le pied une fois que vous la portez. Et je trouve ça très bien. Bon, bah en tout cas, je suis très contente. On m'a dit que c'était osé de faire du pareil, pas pareil. Bah écoutez, c'est un peu pour ça qu'on tricote quand même. On veut des trucs qu'on va pas forcément trouver ailleurs. Bon, bah là, je suis servie. Je dirais que celle-ci, je pense que je les trouverai nulle part ailleurs. Et moi, ça me plaît bien de pouvoir faire des choses comme ça, de laisser parler ma fantaisie, ma créativité, ma spontanéité même. Parce que si j'y avais réfléchi, j'aurais peut-être pas fait ça exactement, mais ça a été sur l'instant où j'ai envie de faire ça précisément. Et je suis très contente de ce que j'ai fait avec ces chaussettes. Bon, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que je parle, hein. Ouais, donc je vais peut-être me calmer pour ce matin. Alors, je pense que je viendrai vous revoir aujourd'hui, sans doute pour vous montrer ma laine. Croisons les doigts grâce à votre énergie positive pour que ça arrive aujourd'hui et que je puisse vous montrer. Alors, évidemment, vous n'aurez pas un super rendu, mais que je puisse vous montrer ce que j'ai reçu. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Coucou de l'après-midi, j'ai reçu mes laines. Trop bien, trop contente. Je vais vous montrer à quoi ressemble le mérino lin. Il n'y a que 10% de lin dedans. Et je me dis que finalement, c'est sans doute déjà beaucoup. Alors voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai pris un mérino. Voilà, 100% mérino juste à côté pour que vous puissiez voir la différence. Mérino lin, 100% mérino. Et je trouve que la fibre a l'air plus fine. Ça a l'air plus fin. Ça a l'air très léger, ça prend moins de place. Le sac de laine qui contient 1 kg, parce que c'est conditionné par kilo, il est beaucoup plus étroit
que le sac qui contient celui-là, enfin beaucoup plus, un peu plus, pas beaucoup plus, mais un peu plus. Il est beaucoup plus étroit par exemple que de l'Ultra Merino. Voilà, l'Ultra Merino, ça prend beaucoup de place dans le sac. Et voilà ce que ça donne. Alors déjà en coloris naturel, moi, je trouve ça magnifique. Je vais mettre mes lunettes pour voir ce que je vous montre. Voilà, et vous voyez un peu le brun comment il est. C'est hyper beau. Franchement, c'est hyper beau. Ça a l'air léger. C'est un peu rêche là. Au toucher, c'est beaucoup plus rêche que ça. Vraiment, il n'y a pas à dire, c'est plus rêche. Mais je sais que une fois tricoté, une fois bloqué, c'est pas la même. Je pense que déjà au niveau de la tenture, ça va déjà jouer parce que moi avec la tenture, là il y en a qui sont en train de tremper déjà. Je vais faire un essai de teinture cet après-midi, je ne peux pas résister. Je pense qu'une fois que ça aura été teint, lavé et séché pour être mis en écheveau, ça va encore être différent de ce toucher-là. Je vous le dirai, mais si c'est pas le cas, mais j'en suis quasiment sûre. Ça, c'est déjà doux, c'est déjà très sympa. Ça, c'est le Merino Super Wash, qui est aussi hyper agréable. J'en ai repris là, c'est avec celui-ci que je vais faire les box Fêtes des Mères. Voilà, j'ai la quantité qu'il faut, et ça aussi, c'est hyper beau. Bon, le zoom est pas ouf. Donc voyez, vous pouvez comparer les deux. Il y a le même poids. Voilà, ça pèse la même chose. Il y a la même quantité, il y a le même métrage. Même poids et même longueur de fil. Mais des rendus différents. Je suis sûre que ça, en top d'été, j'en suis persuadée, ça doit être hyper confortable. Et sur la peau, bah, ça, il n'y a aucune gêne. Hein. Ça, c'est... Non, vraiment, il n'y en a aucune. Je vous dis, il y a ce sentiment de choses un peu rêches, mais alors, rien à voir non plus avec ce que j'ai pu toucher au dernier salon auquel je suis allée. C'était quoi? Il n'y avait que des pigments naturels, des choses comme ça, là. Bon, je sais déjà plus. La fête de la laine, voilà, Malakoff. Voilà, c'est ça, c'est Malakoff. Bon, et bien, quand même moins rêche que ce que j'ai vu à Malakoff, faut le dire. Je vais vous le mettre en écheveau que vous voyez. Ah, franchement, j'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner teint. C'est pour ça que là, je peux pas me retenir. Voilà, en écheveau quand même, ça va être hyper joli. Naturel, là, c'est beau. Hein. Déjà là, c'est hyper beau. Et j'ai des idées. Là, j'ai déjà préparé mes mélanges de couleurs, de pigments. Je vais, dans l'idée, partir sur de l'uni, parce que je trouve qu'il y a déjà un petit peu des nuances qui, je pense, vont ressortir. Donc de l'uni, mais ça va être du semi-solide. Et je pense que ça peut être vraiment top. Moi, je vais m'en garder deux, je ne sais pas encore quelle couleur. J'ai préparé trois coloris pour l'instant. Je referai d'autres coloris demain, je pense. Je ne vais pas tout faire en même temps. J'ai pas envie de me faire une surcharge là aujourd'hui. Parce que c'est l'après-midi et j'aime moins teindre l'après-midi. Mais là, quand même. Alors, je ne sais pas si je reviens cet après-midi. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la vidéo du jour? Oui, je vous remercie. Je remercie toutes celles qui se sont déjà manifestées, qui m'ont dit oui, ok, pour l'échantillon, j'ai reçu tous vos mails. Je ne réponds pas à tout le monde, hein. Je prends pas ce temps de réponse. J'ai reçu une très bonne quantité de messages de personnes qui me disaient être volontaires pour tricoter des échantillons. Ça va très vite arriver. Je vous contacterai. Je vais en contacter quelques-unes, puis ensuite quelques-unes, je vais tourner pour que tout le monde puisse, en tout cas toutes les volontaires, puissent s'essayer à l'exercice. J'ai aussi eu plein de notifs d'arrivée des colis, Colissimo et Point Relais, donc surveillez ça. Pour celles qui ont passé commande dimanche, c'est arrivé aujourd'hui, on est jeudi, ça a été posté mardi. Franchement, je trouve ça cool, ça va vraiment vite, c'est bien. Donc j'ai commencé à avoir des retours aussi. Et logiquement, là j'ai eu le déballage d'une personne qui a pris une boîte de bas. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de dire qui c'est, donc je ne dis pas tout de suite qui c'est, peut-être qu'elle vous en parlera. En tout cas, j'ai mis son ouverture de colis parce qu'elle a eu la gentillesse de bien vouloir la filmer. En intro, petite musique et image pour que vous voyez ce que c'est que cette boîte de bas. Donc c'était la boîte de bas pour le printemps. Vous verrez, vous avez vu de toute façon. Donc moi j'ai trouvé ça chouette qu'on me filme ces images-là et je suis ravie de pouvoir vous les montrer. Vraiment, ça me fait hyper plaisir. Et ben voilà, pas sûr de revenir aujourd'hui. Donc au cas où je reviens pas, comme je le pense, mais bon, peut-être qu'il y aura des trucs de fou à vous raconter d'ici là, j'en sais rien. Je vous fais des gros bisous et moi je vous retrouve, a priori, je vous retrouve samedi. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.